Salut à tous! Alors aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Donc oui, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais voilà, j'ai changé de compte. Enfin, j'ai plusieurs comptes, donc voilà. Donc c'est un compte de Fimo. Donc si vous voulez aller le voir, c'est création partie espace Fimo. Donc après c'est vous. Donc vous faites ce que vous voulez, si vous voulez aller voir ou pas. Donc voilà, donc ici déjà c'est sa cage. Donc voilà, c'était une cage de Mera que j'avais avant et voilà. Donc je vous présente vite fait la cage et après je vous montre mon furet. Donc voilà, ici c'est ses toilettes, donc elle n'est pas encore propre, elle n'est pas du tout propre. Ouais, ici c'est un petit jeu, sa gamelle d'eau, donc sa gamelle de nourriture, on l'a enlevée. Et parce que c'est pour la viande, il y a le tuyau, c'est sa gamelle de nourriture, un petit biberon qu'elle n'utilise jamais, escalier. Un petit étage, son hamac que ma mère a fait elle-même de ses mains, et un autre étage en haut, c'est comme si elle fait caca ou machin, et sa cage de transport. Ouais, et ici, c'est un petit truc. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter mon furet. Donc, c'est une femelle, elle s'appelle Lily. Elle a été trouvée dehors par une famille, enfin une personne. Et bon, on a pris contact et tout ça. Et puis elle est arrivée chez nous normalement pour une semaine. Et bah en fait on l'a gardée. Donc voilà. Petite Lily, donc elle est très 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 gentille. Elle dort très souvent sur nous. Là c'est moi qui l'ai fait endormir. Donc elle s'endort très facilement. Donc voilà. Donc voilà, elle a 4 mois. Donc voilà. Donc si vous avez entendu ma mère. Donc plutôt 5-6, hein, comme peut-être vous l'avez entendu, mais moi j'aurais dit 4. Hein. Comme notre médecin, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, notre vétérinaire nous l'a dit. Donc voilà, donc maintenant je vais vous présenter enfin, où elle sort et tout ça. Donc là, son petit panier. Après, il y a une petite couverture avec son petit tuyau. Une gamelle de croquettes. Son petit truc à chat, là, mais bon, elle n'utilise jamais. Ici, c'est un truc où il y a toute sa nourriture. Là c'est son parc. Voilà. Enfin, son parc, voilà quoi. Et ses jeux s'arrêtent ici, mais après elle va où elle veut. Donc ouais, et cet arbre à chat, on l'a acheté à Jiffy 35 euros. Donc voilà, et on l'a fait en deux parties. Sinon c'était trop long. Donc voilà, on peut, ça va juste jusqu'à là, elle va pas tout en haut. Donc voilà. Donc voilà pour Lily, excusez-moi pour la qualité et mauvaise, mais je sais pas, vu que c'est le soir, la qualité ne veut pas. Quoi, ouais, j'essaie de modifier, mais non, elle ne veut pas du tout. Ouais, elle ne veut pas. Si je mets la lumière. Ouais, c'est un peu plus mieux. Donc voilà pour la cage à Lily, où elle sort. Donc voilà, normalement c'était peut-être un cadeau bah, qui était abandonné. Donc voilà, peut-être, on sait pas. Donc ouais, bon, on l'a trouvé dehors, donc voilà. Donc, si vous voulez d'autres vidéos, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous. Merci, au revoir.